Je cherche une nouvelle petite chanson là, pour mes capsules du mot de la semaine. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure du mot de la semaine! Ça, c'est plate. C'est l'heure du mot de la semaine, c'est l'heure du mot de la semaine, c'est l'heure du mot de la semaine avec Daniel Brouillet. On dirait un camp de vacances là, dans le fond du bois. Là. Tu fais du canot sans te laver pendant 8 jours. Non, c'est plate, ça. Ah, ça pourrait être quoi? Le mot de la semaine! Ça, c'est un camp de jour de randonnée en forêt, mais pendant 8 jours sans se laver encore. OK, je vais continuer à y penser. Bienvenue au mot de la semaine! On s'amuse avec la langue, une autre figure de style cette semaine, l'hyperbole. Qu'est-ce qu'une hyperbole? Parce qu'on ne dit pas un hyperbole, on dit une hyperbole. Je vais te donner trois exemples et tu vas essayer de deviner c'est quoi une hyperbole. Donc, lequel des trois exemples est un fier représentant d'une hyperbole? Est-ce que c'est A, les arbres gémissent, B, je meurs de faim, ou C, qui vole un œuf, vole un bœuf? Oh là là, une hyperbole, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai hâte de t'apprendre c'est quoi parce que c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est la figure de style que j'utilise le plus dans mes livres. J'ai jamais fait de statistiques, là, mais mettons que qu'il en manque pas dans mes livres. Ok, on vote. Quels sont ceux qui disent que l'hyperbole, c'est A, les arbres gémissent? Quels sont ceux qui disent que c'est B, je meurs de faim? Et finalement, quels sont ceux qui disent que c'est C qui vole un œuf, vole un bœuf? La bonne réponse, c'est B! Oui. Je meurs de faim! Une hyperbole, je vais te donner un synonyme, exagération. Quand on exagère, souvent, on va faire une hyperbole. Je meurs de faim, souvent on dit ça, hein? Il est 5h22, là, on a hâte de se payer. Ah, je meurs de faim! Je pense pas que tu meurs, non. T'as faim, mais je pense pas que la mort approche. On utilise l'hyperbole pourquoi? Pour renforcer notre propos. Hein? Pour dire à la personne à qui on s'adresse, « Là, là, il serait temps qu'on mange. Je sens que je vais mourir. » Évidemment, c'est très exagéré. Tu pourrais survivre encore quelques jours. En buvant de l'eau, là, cela dit. Je te donne des exemples en vrac. Quand on va dire une blague vieille comme le monde, alors la blague, elle est vieille comme le monde. Ici, on a une comparaison. La blague, elle est vieille comme le monde. Vieille comme le monde, ça, c'est la comparaison. Mais tous ensemble, une blague vieille comme le monde, on exagère à quel point cette blague-là, elle est vieille. Fait qu'on utilise une comparaison dans une hyperbole. C'est doublement stylé, là! Si on entend un bruit à réveiller les morts, ou si tu lâches un cri à réveiller les morts, je pense pas qu'un cri soit assez fort pour réveiller les morts, mais on comprend que c'est un méchant cri. Tant qu'à dire un cri full fort, ben tu crées une belle image. Un cri à réveiller les morts. On dirait que tout le monde comprend. Personne qui fait comme... Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, ben là? Tout le monde comprend. Ma vie est un enfer! Je sens que ta vie va pas bien si tu dis ça. Je pense pas que ta vie soit un enfer, parce que l'enfer, ça a l'air d'être l'enfer. Mais on comprend. Tu sais, des fois, quand t'embarques dans la douche, là, pas au début, là, quand l'eau est gelée, mais tu sais, quand l'eau est vraiment chaude, puis là, tu fais comme, « Je resterai dans la douche le reste de ma vie » ou « Je resterai dans la douche pendant 4 ans. » C'est une hyperbole. Tu t'aimerais avant ça. Quand ton père ou ta mère te dit, « Je te l'ai dit 50 fois de ramasser ta chambre. » Ils ont pas compté. On n'est pas encore rendu à 50. On est rendu à 6, pas à 50. C'est une hyperbole. Puis là, tes petites répliques plates, là, quand tes parents te disent « Je te l'ai dit 30 fois, je te l'ai dit 40 fois », arrête de répondre « Non, tu l'as juste dit 4 fois! » Hey, ramasse-toi! Alors ouais, moi j'adore ça l'hyperbole, j'en utilise souvent. Et sur ce, je tiens à saluer mes millions de fans qui me regardent. On se voit pour un autre mot de la semaine.